Salut à toi, c'est Sylvain, bienvenue sur RénoWatch. Aujourd'hui on va voir comment faire un linteau et ensuite l'habiller en pierre. Donc les poteaux sont montés derrière moi. Hop 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 là, ici. Hop. Et on va pouvoir coffrer maintenant notre linteau et le couler demain au beau jour quand il y a du soleil. Donc je te montre ça comment qu'on coffre. Allez, c'est parti, tu me suis. Préparation du linteau. Donc j'ai mis un petit échafaudage comme il se doit ici. Hop, on a mis un étai ici au sol pour mettre la planche de coffrage, la première, avec qui appuie sur les poteaux avec un niveau, parce que ça fait le ventre. Donc avant de mettre la planche sur les côtés ici, on met bien la planche du dessous de niveau. Voilà, on vérifie le niveau pile poil. Voilà, on a pris la longueur de la planche de coffrage du côté et on l'a installé. On va installer provisoirement parce que, alors que de l'autre côté c'est pas encore mis. Voilà, donc on va l'attacher, hop. Après on va mettre les poteaux en bois ici pour tenir vissé dans l'autre. Voilà. Ici on va venir la visser correctement, mais pour ça il nous faut notre autre planche. Et notre autre planche bien sûr, et la ferraille. Et vu que j'ai pas eu le temps d'aller chercher ça avant, et ben on va aller chercher la ferraille avant, parce que sinon on aura mis nos bouts de bois là et on pourra plus rentrer la ferraille. Donc on va aller chercher ça tranquillement et ça va se faire. Et oui, là, posé sur les pierres. Et on continue. Parti chercher la ferraille. Bon bah on est revenu. Impeccable, on a la ferraille. Sphère de 8, ça va pas bouger, je te garantis. Donc là, a tordu ce qui venait du mur pour les attacher sur celle du milieu. Et on les attache comment? Avec le petit outil magique qu'on appellera un nez de cochon, hein, un tire-bouchon à cochon. Pareil, donc on prend ceci, on le met où j'arrive à cadrer en même temps, comme ceci. Voilà, on croche et on tire. Pas trop fort, parce que sinon ça casse après. Hop. Et on replie ça comme ça. Voilà, on va mettre l'autre planche. Donc coffrage fini. Je te montre ça à l'intérieur. On a mis les étais, je vais t'expliquer. Donc voilà pour le coffrage de l'intérieur. On a mis notre ferraille, on l'a bien fixé ici comme je te disais. Voilà, on a maintenu la ficelle. Avec la ficelle, on a maintenu la ferraille pour qu'elle ne touche pas le fond du coffrage. Très important, et toujours à un tiers de hauteur du fond du coffrage. Donc on a maintenu avec des bouts de bois, des petits chevrons, et avec des serre-joints en ferraille. Voilà, ici et en dessous, très important aussi, parce que pour éviter que ça pousse de trop et que ça s'ouvre. Bon, je te montre ça d'en bas. Ce que ça rend, c'est plutôt pas mal. Voilà, de devant, ça rend plutôt sympa, j'avoue. Plutôt cool. Dream. Et maintenant, on va manger et après... Non, on coule pas tantôt. Il faut que tous les bords, là, ici, que ça soit comblé. Et on va combler ça avec de la petite chape, très légère. Pareil pour ici, on va remonter un peu de pierre et je vais combler ça ici pour éviter tous les petits trous, pour éviter que ça coule. Allez, tout de suite. Et c'est parti pour le coulage du béton. Donc on va tout mettre. On va prendre le béton dans la brouette, bien liquide qu'on l'a fait. On va le poser ici avec des seaux. Et ensuite, on va le baigner en haut, dans le coffrage. Vu que le temps n'est pas trop de la partie,
je vous montrerai au fur et à mesure et pas pendant. Là, on est rendu à 4 brouettes de coulée. Donc au début, on le fait bien liquide, pour qu'il aille bien bien au fond, même si on va mettre le vibrateur après. Le vibro à béton, comme on pourrait dire. Ça va faire permettre de ressortir toutes les bulles et que ça aille bien. Donc là, on essaye quand même de bien en mettre jusqu'au bout, parce que je ne mets pas tout seul, j'ai un peu consistant. Pour voir ce qui va me rester à mettre ensuite. Voilà, donc on étale bien. Vu qu'on a maintenu la ferraille, elle ne bouge pas, j'ai pas besoin de la remonter, elle est à un tiers de mon fond, de la totalité du linteau. Et voilà, ça se met tranquillement. Le temps est incertain. Donc à mon avis, on va être obligé de bâcher ensuite. Vous voyez qu'il y a trop d'eau et que l'eau dégouline partout. Allez, on continue, on a 4 brouettes. Bon, on a estimé à peu près 15 brouettes, ça devrait le faire. Ça avance doucement, mais sûrement. Ça s'étale bien, bien liquide. Ouais, on les monte au seau. J'ai mon arpette qui est en dessous. Il charge la petite borouette qui est là. Et puis il met mon seau là. Injectip. Mec sympa. Un bon gars quoi. Normal, il est vendéen. Bon maintenant, le coffrage il est plein. Donc on va le vibrer. Avec... C'est pas un vibromasseur. Hein, mais c'est un vibrateur. On le met dans le béton. Donc là on va commencer ici. Hop. On le rentre. Voilà. Et on appuie. Et grâce à ça, toutes les bulles s'en vont et le béton se répartit partout convenablement. On les met tous les 10-15 cm. Bon bah là, on va mettre la bâche, parce qu'on mouille, sacrément. Là, ah, on nous voit bien, impeccable. Allez, on est parti. Bon ben voilà, la bâche est mise,
Il va pleuvoir, on va laisser sécher pendant 3 semaines et on se revoit au décoffrage. Si t'es pas encore abonné, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne. Tu cliques en dessous sur le petit bouton rouge et la cloche pour être averti de la prochaine vidéo de bricolage, construction ou rénovation. Allez, à très vite et partage la chaîne et la vidéo. Merci.